Il y a 50 000 ans, les protéens étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle, qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. Bien qu'étonnamment intactes pour leur datation, les exemples de paléotechnologie protéenne fonctionnelle sont rares. Avec l'œuvre du temps et des générations de pillards, leurs villes et stations abandonnées ne sont plus que des coquilles vides. Certaines thèses prétendent que les protéens seraient intervenus dans l'évolution des races les plus jeunes. Sur Kagé, la planète d'origine des Anari, on trouve ainsi des traces évidentes d'une ancienne occupation protéenne. De même, la découverte d'un ancien poste d'observation protéen sur Mars a provoqué une recrudescence de théories sur une possible intervention extérieure dans l'évolution de l'espèce humaine. Selon ces théories, les mythologies et religions des civilisations anciennes seraient en fait des erreurs d'interprétation de rencontres du troisième type bien réelles. Les Azari, peuple asexué d'apparence féminine, furent la première espèce à découvrir la citadelle. À l'arrivée des Galariens, s'apercevant de la complémentarité des deux espèces, elles proposèrent l'établissement d'un conseil en vue de maintenir la paix dans la galaxie. Depuis, les Azari jouent le rôle de médiatrice et d'arbitre au sein du conseil de la citadelle. Les Azari se reproduisent par une sorte de parthénogenèse, en reliant leur système nerveux à celui d'un partenaire de sexe et d'espèce indifférent. Cette capacité singulière est à l'origine de nombreuses rumeurs infondées concernant la promiscuité sexuelle des Azari. D'une longévité exceptionnelle, les Azari peuvent atteindre plus de 1000 ans et traversent trois périodes distinctes au cours de leur vie. À l'âge de demoiselles, elles parcourent l'univers en quête de connaissances et d'expériences. À celui de matrices, elles fusionnent avec des partenaires rencontrés dans leur jeunesse, susceptibles de constituer de bons géniteurs pour leurs filles. Le dernier stade de leur vie est celui de matriarche, où elles endossent le rôle de leader et conseillère. Deuxième espèce à rejoindre la citadelle, les Galariens sont des amphibiens à sang chaud, dotés d'un métabolisme hyperactif. À leurs yeux, les autres races semblent léthargiques et lentes d'esprit. Malheureusement, ce métabolisme leur vaut également une espérance de vie médiocre. Rares sont ceux qui atteignent la quarantaine. Ce sont les Galariens qui ont accéléré le développement de l'espèce Krogan afin d'en faire des soldats durant la guerre Rachni. Eux aussi, qui quelques siècles plus tard, mettaient au point une arme biologique appelée génophage pour permettre aux Turiens de mater la rébellion de ces mêmes Krogan. Les Galariens sont réputés pour leur capacité d'observation exceptionnelle et leur faculté à raisonner de façon non linéaire. Ces facultés leur procurent un don naturel pour la recherche et l'espionnage. Leur engouement pour les inventions et les expériences est tel que beaucoup les soupçonnent de garder pour eux une part de leur savoir. Voilà près de 1200 ans que les Turiens siègent au conseil de la citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Turiens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Azari pour la diplomatie. La hiérarchie turienne, malgré son attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Turiens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur personnel comme collectif. Turiens et humains se regardent en chiens de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314, comme l'appellent les Turiens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. Lorsque l'Alliance entreprit une colonisation agressive des mondes de la bordure skylienne dans les années 2160, les Butariens y étaient déjà installés depuis des décennies. En 2171, ces derniers exigèrent que le Conseil déclare la bordure zone d'intérêt butarienne. Le Conseil refusa, déclarant les mondes inhabités de la région ouverts à la colonisation humaine.
En signe de protestation, les Butariens fermèrent leur ambassade et coupèrent tous les ponts avec le Conseil. Ils téléguidèrent ensuite une guerre dans la bordure en fournissant de l'argent et des armes à des organisations criminelles pour qu'elles s'en prennent aux colonies humaines. Le conflit atteignit son paroxysme en 2176 avec le Raid Skylien, une attaque sur la capitale régionale d'Elysium, lancée par des pirates et esclavagistes à la solde des Butariens. En 2178, l'Alliance répliqua en lançant un assaut dévastateur sur la lune de Torfan, base d'opération notoire de ces mêmes criminels. Depuis, les Butariens vivent retranchés dans leur système et ne s'aventurent que rarement dans l'espace concilien. Il y a 200 ans, les Anari permirent à 375 000 Drell, derniers représentants de leur espèce, de trouver refuge sur Kagé, leur monde d'origine, afin d'échapper à une terrible catastrophe écologique qui avait déjà fait plus de 11 milliards de victimes. L'immense majorité des Drell fait aujourd'hui preuve d'une loyauté sans faille envers leur sauveur. La relation étroite qu'entretiennent les deux races est symbolisée par une alliance sociopolitique appelée le Synacte. Et certains Anari ont même été jusqu'à révéler leur nom intime à des Drell, ce qui constitue une preuve de respect ultime. Bien que la plupart des Drell vivent encore sur Kagé, certains d'entre eux ont quitté la planète pour mettre leurs talents au service de leurs bienfaiteurs. Ambassadeurs, chercheurs, explorateurs, investisseurs, assassins, etc. Selon une croyance populaire, derrière chaque Anari de haut rang se cache un Drell entièrement dévoué à sa cause. Les Drell sont des humanoïdes reptiliens omnivores, dotés d'une espérance de vie moyenne de 85 années galactiques standard. Issus à l'origine de terres arides et rocailleuses, le monde Anari de Kagé ne leur est guère hospitalier. Ils souffrent notamment d'une infection pulmonaire aussi appelée syndrome de Képral. Les Elcor sont une espèce de la citadelle originaire de Dekuuna, une planète à pesanteur élevée. Ce sont des créatures massives dotées de quatre pattes musculeuses pour plus de stabilité. Les Elcor se déplacent lentement, conséquence de leur environnement naturel où la moindre chute peut être fatale. La pensée Elcor, réfléchie et conservatrice, semble elle-même affectée par cette extrême pesanteur. Les Elcor parlent sur un ton pesant et monocorde. Ils utilisent toute une gamme d'odeurs, de signaux subvocaux et de mouvements à peine perceptibles pour exprimer des émotions qui feraient passer un discret sourire humain pour une explosion de feux d'artifice. Leur subtilité pouvant être aisément mal interprétée par les autres espèces, les Elcor indiquent souvent expressément leur état d'esprit pour signifier qu'ils sont sarcastiques, amusés ou en colère. La pesanteur élevée de la planète Dekuuna empêche la formation des montagnes. Cet environnement est donc constitué d'étendues sans relief, de vastes plaines dans lesquelles les Elcor se déplacent en famille compacte. Aujourd'hui encore, les Elcor préfèrent les grands espaces et sont fréquemment sujets à l'anxiété lors de longs voyages spatiaux. Les Geth sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les Kariens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux fastidieux, mais aussi comme armes de guerre. Lorsque les Geth commencèrent à montrer des signes d'auto-évolution, les Kariens tentèrent de les exterminer, mais les Geth triomphèrent de leur créateur. Cette catastrophe fut à l'origine d'une politique de répression systématique de toute forme d'IA dans la société galactique. Les Geth possèdent une intelligence collective exceptionnelle. Chacun d'entre eux pris à part est doté d'instincts primaires comparables à ceux des animaux. Mais plus les Geth sont nombreux et proches les uns des autres, plus l'intelligence de chaque individu augmente. En groupe, ils sont capables de raisonner, d'analyser des situations et d'élaborer des stratégies comme n'importe quelle autre race organique. La région occupée par les Geth se trouve à l'extrémité du bras de Persée, au-delà des redoutables systèmes Terminus. Le voile de Persée, une nébuleuse opaque composée de gaz et de poussière, sépare leur territoire des systèmes Terminus. Espèce de la citadelle, les Anari sont connus pour leur excessive politesse. Ils s'expriment avec une précision scrupuleuse
et s'offense au moindre écart de langage. Les Anari, qui sont amenés à fréquenter les autres races, suivent d'ailleurs des entraînements spéciaux afin de corriger leur propension à s'offusquer des propos inconvenants. Chaque Anari a deux noms. Un nom d'usage, connu de tous, et un nom intime qu'il réserve à ses proches. Tant qu'un interlocuteur ne connaît pas son nom intime, un Anari ne parlera jamais de lui-même à la première personne. Tout manquement à cette règle serait considéré comme égotiste par les Anari, qui préfèrent le truchement de tournure passive, d'explétif et du pronom impersonnel « on ». Leur planète d'origine, Kagé, est recouverte d'océans à 90% et gravite autour d'une étoile blanche très lumineuse. Par conséquent, Kagé est en permanence voilée de nuages. Il existe de nombreuses ruines protéennes sur cette planète, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Anari vénèrent les protéens. Ils pensent en effet que cette ancienne civilisation leur a apporté l'illumination en leur offrant la parole. Les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Lorsque les Galariens les découvrirent, ils essayaient tant bien que mal de survivre à l'hiver nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Les Galariens entreprirent alors leur éducation culturelle, leur apprenant à utiliser et à développer les technologies modernes afin qu'ils servent de soldats dans la guerre Rachni. Débarrassés des contraintes de leur planète d'origine, les Krogan connurent une explosion démographique sans précédent et se lancèrent à la conquête des planètes voisines pourtant déjà habitées. Cette rébellion Krogan dura près d'un siècle et prit fin soudainement quand les Turiens utilisèrent le génophage. Sous ce nom se cache une arme biologique conçue par les Galariens, qui limite les naissances Krogan viables à une pour mille. Aujourd'hui, les Krogan sont en voie d'extinction. S'ils haïssent cordialement toutes les races, ce sont les Turiens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés. Quand les Asari découvrirent la citadelle, elles y trouvèrent également les Veilleurs, race insectoïde docile qui semble n'exister que pour entretenir et réparer la grande station protéenne. Toute tentative pour communiquer ou étudier les Veilleurs s'est soldée par un échec, et il est maintenant illégal d'interférer avec leurs activités. De par leur comportement totalement pacifique, les Veilleurs sont devenus partie intégrante du paysage de la citadelle. En retour, ils ne témoignent aucun intérêt envers les autres espèces, à l'exception des nouveaux arrivants qu'ils aident à s'intégrer. Les Veilleurs peuvent mourir de vieillesse, par violence ou par accident, mais leur nombre reste constant. Personne ne sait d'où proviennent les nouveaux Veilleurs, mais certains pensent que ce sont des machines organiques, des automates biologiques issus du plus profond des entrailles de la citadelle. Chassés de leur monde d'origine par les Geths il y a près de 3 siècles, les Kariens vivent à bord de la flotte nomade, véritable caravane de 50 000 vaisseaux allant de la navette de transport à la station spatiale mobile. Cette flotte regroupe plus de 17 millions de Kariens et ses ressources sont rares. En conséquence, chaque Karien doit entreprendre un pèlerinage, rite d'initiation, consistant à quitter la flottille pour n'y retourner qu'après avoir trouvé quelque chose de valeur à rapporter. Les autres espèces ont tendance à mépriser les Kariens pour avoir créé les Geths et pour l'influence négative de leur flotte à son entrée dans un système. Il existe de nombreuses idées reçues sur les Kariens, selon lesquelles, par exemple, leurs vêtements et leurs masques respiratoires cacheraient des êtres cybernétiques, mi-organiques, mi-synthétiques. Bien que les Volus fassent partie intégrante de la citadelle, ils sont également inféodés aux Turiens. Il y a plusieurs siècles, en effet, ils furent volontairement absorbés dans la hiérarchie, troquant leurs dons de commerçants contre la protection militaire turienne. La planète d'origine des Volus, Irun, est située au-delà de la zone habitable de son étoile. Elle est dotée d'une atmosphère à effet de serre à haute pression qui retient suffisamment de chaleur pour permettre un développement biologique à base d'ammoniac. Pour interagir avec d'autres espèces, les Volus doivent porter des combinaisons pressurisées, car une atmosphère principalement constituée d'azote ou d'oxygène leur serait nocive. Pire encore,
Un Volus peut littéralement éclater s'il s'expose aux basses pressions que supportent la plupart des espèces. Les Volus ont une culture tribale reposant sur un système de troc de terres et même d'individus qui leur permet d'acquérir un statut social. Cette culture d'échange de biens explique leur penchant naturel pour le commerce. Ce sont en effet les Volus qui sont à l'origine des lois économiques galactiques. Et ce sont eux qui surveillent et gèrent l'économie de la citadelle. Les dévoreurs sont des carnivores souterrains qui passent le plus clair de leur existence à manger ou à rechercher leur nourriture. Ils se reproduisent à l'aide de spores, qui peuvent rester en sommeil pendant des millénaires et supporter le stress d'un voyage interstellaire. Transportées à l'insu de leurs hôtes, elles ont permis aux dévoreurs d'infester de nombreuses planètes. Le corps d'un dévoreur ne quitte jamais totalement le sol. Seule la tête et les tentacules jaillissent de terre pour attaquer. De plus, les dévoreurs ont la capacité de projeter une substance toxique et d'émettre des infrasons pour désorienter leurs victimes. Le premier contact de l'Alliance avec des dévoreurs eut lieu sur Akuzé en 2177. Après avoir perdu tout contact avec la colonie, un corps de marine fut envoyé sur les lieux. Ils furent attaqués par des dévoreurs affamés qui anéantirent la quasi-totalité du corps expéditionnaire. Depuis, l'Alliance recommande de n'affronter ces créatures qu'à l'aide d'armes lourdes montées sur véhicules.